Pourquoi tu viens pas te coucher? Je fume. Il est tard. Tu vas pas passer la nuit à fumer cigarette sur cigarette? Pourquoi pas? T'as pas sommeil? Si, justement, j'ai sommeil. Bah et alors? Figure-toi, quand tu sais que tu vas faire un cauchemar, t'as pas tellement envie de dormir. Autant que je fume. C'est quoi exactement? C'est la rancœur? C'est la rancune? Ouais, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. La rancune, c'est direct. La rancœur, c'est malgré soi. Pour l'instant, tu me considères comme une pauvre fille. Comme un boudin. Et dans un certain sens, t'as raison, je vaux pas bien cher. Mais un autre jour, dans d'autres circonstances, il pourrait arriver n'importe quoi entre nous. Alors, tu sais, toi, c'est vrai, quoi. Non, mais tu me prends pour une mythomane, hein. Mais non, mais c'est fou. C'est fou, c'est... Chuck Baker. Bah oui, c'était à New York, au Birdland. Je sais que, par exemple, ça, je vais le citer, parce que c'était un grand ami, Kenny Clarke, a travaillé à un moment donné avec Louis Armstrong, et il avait fumé, et pourtant, Kenny Clarke, c'est pas quelqu'un qui joue à côté, hein. Je ne sais pas s'il a joué à côté ou qu'est-ce qu'il a fait, mais à la fin de la soirée, Louis Armstrong lui a dit « after the gig, man, après le boulot. Hein? » On peut fumer, mais après le boulot. Ça dépend comment vous le tolérez. Moi, par exemple, si je fume, je vais devenir parano, je vais m'observer jouer, si je joue à côté, je vais m'en rendre compte immédiatement, ça va me déstabiliser. Moi, je ne fume jamais, jamais, jamais pour jouer parce que ça ne me réussit pas. Et ce n'est pas de la trompette qu'elle joue, ni de la batterie, mais la comédie. Et pourtant, elle en a fréquenté des trompettistes de jazz dans sa vie, sa longue vie. A commencer par l'un des plus grands, Chet Baker, avec qui elle a vécu une histoire d'amour et avec qui elle a partagé plus d'un pétard. Vous avez sans doute reconnu la voix d'Arlette de la série 10%, ou alors celle de Ludmilla de Family Business. Oui, c'est bien elle, et bien plus encore puisque c'est la comédienne Liliane Rovert qui est aujourd'hui notre invitée. C'est l'épisode 18 de Banana Kush. Eh ben, manquez plus que ça. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel? Des bananes. Vous en voulez? Oh non, merci. Moi, avec plaisir. Le trafic de la banane connaît une embellie. Une drogue interdite. La banane tient la première place. Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau! Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast de culture du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet. Elle a traversé les époques, c'est la doyenne des invités de Banana Kush et pourtant, elle semble ne pas avoir d'âge. Nous recevons une femme qui, toute sa vie, aura été libre. Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute découverte assez récemment dans le rôle d'Arlette, l'agent des stars du ciné dans la série 10% de France Télévisions. D'autres parmi vous la connaissent peut-être en tant que Ludmilla, et oui, la mamie de la famille Azan dans Family Business, la série enfumée de Netflix. Mais sa carrière, c'est évidemment beaucoup plus que ça. Le théâtre, les films de Bertrand Blier, et que dire de sa vie, qu'elle a été assez folle. D'ailleurs, en 2019, elle en a fait un livre, son autobiographie, La folle vie de Lily, parue aux éditions Robert Laffont. Elle y raconte son enfance de petite fille juive pendant la guerre, sa relation avec l'icône du jazz, Chet Baker, ses débuts sur les planches, et aussi pas mal d'anecdotes de fumettes. Et oui, on en a compté au moins 14 occurrences. D'ailleurs, pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver une mention du pétard, dès la toute première page du livre, en fait, qui s'ouvre sur ces mots. Je lis des textes de Nietzsche en écoutant Charlie Parker, ça dépote. J'ai un peu fumé, ça dispose. C'est pas moi, c'est elle. Hein? Tu fumes, hein, salope? Hein? Tiens, t'as pas honte? Soothe me with your caress. Sweet marijuana, marijuana. Bien bonjour, Liliane Rovert. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, dans le 9e arrondissement. Mais ça me fait plaisir. Et alors, quelle a été la place du pétard dans votre vie? Eh bien, il m'a accompagnée. J'ai commencé tôt à le fréquenter. Parce que je fréquentais un milieu où on fumait des pétards. C'était des musiciens de jazz. C'était un peu ma famille. Donc j'ai toujours fumé des pétards.
Je me suis arrêtée je me suis arrêtée de fumer des cigarettes de façon définitive il y a 40 ans de ça. Un pétard, vous vous rendez bien compte qu'on n'en fume pas comme des cigarettes. On ne fume pas 25 pétards par jour comme quand je fumais des cigarettes. Hein. En tout cas, il vaut mieux pas. C'est socio-culturel, c'est amical. C'est vrai que pour écouter de la musique, pour écrire, ça ne vous apportera pas ce que vous n'avez pas, mais ça peut disposer. Ça peut un peu ouvrir. Qu'est-ce que ça change d'écouter de la musique quand on a consommé du cannabis ? Eh bien, je ne sais pas, parce que c'est un psychotrope quand même, il paraît. Ça peut disposer, ça met comme une petite bougie. C'est pas très violent, c'est doux. Moi, je préfère l'herbe au haschich, qui est plus lourd, qui est plus pesant. L'autre, c'est plus léger. C'est des questions de goût et c'est des questions de rapport avec ce qui se présente à vous. Moi, je ne bois rien. Je ne prends pas de machin pour dormir ou pour me réveiller. Je mange proprement. Je pense que je suis raisonnable et je fume encore à mon âge, mais je fume moins qu'avant parce que je me ménage un peu. Ma respiration, machin, je me ménage un peu, quoi, parce que je travaille encore. Parce que j'ai encore la chance de travailler. Donc, il faut que je reste en forme. Mais un petit pétard de temps en temps. Et alors, vous dites, j'aime bien quand un copain passe à la maison avec des amis. Est-ce que c'est toujours dans ce contexte-là, social, un moment de partage, ou ça vous arrive aussi de consommer un petit joint toute seule ? En général, c'est quand je suis avec des copains qui fument des joints. Mm-hmm. On peut fumer un joint ensemble. Et ça peut être aussi que je m'allume un joint quand j'écris et que j'écoute de la musique, mm-hmm. parce que j'adore ça. Donc, toute seule, ça arrive ? Ah oui, ça arrive. Le cannabis, vous l'avez toujours consommé en le fumant ou ça vous est arrivé de le tester sous d'autres formes ? Oui, sous de forme de gâteau. De gâteau ? Oui, moi je ne sais pas les faire. Hein. Un jour, un copain a fait des gâteaux, il a dit j'ai fait des gâteaux, donc il nous en a donné. Donc moi, il m'en a donné, mais moi, je n'ai pas sauté dessus, ils sont restés là. Et mon chat, à l'époque, il en a bouffé. Oula. Et mon chat, il était groggy. J'ai appelé le vétérinaire, il m'a dit il n'en mourra pas, mais il était dans un état. Il avait bouffé des gâteaux. Moi, j'en avais pas mangé, lui, oui. Pauvre chat. Et alors, vous, quand vous en avez mangé, qu'est-ce que ça vous a fait ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que ça a été... Ah oui, ça m'a plu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que je suis très modérée. Je mange pas, je me tape pas 4 gâteaux à la file, je mange un demi-gâteau pour voir si ça me fait de l'effet. Et si ça me fait, j'arrête. Si ça me fait pas, je vais continuer. Mais je vais pas me jeter dedans, je vais pas me jeter à l'eau. Il paraît que la cuisinière de Coluche faisait les meilleurs gâteaux au cannabis de toute la place de Paris. Ça, c'est Lio qui nous a raconté ça. Coluche ? Oui. Ah oui ? Ça m'étonne pas de lui. Moi, je sais pas faire les gâteaux, mais c'est bon les gâteaux. D'abord, on se met pas de la fumée dans les poumons, pour commencer. Et ensuite, ça vient lentement parce qu'il faut le digérer. Et après, ça fait un effet stable et durable qui est très agréable. Ça peut être trop fort aussi, hein. Attention. Ah ben, trop c'est trop. Mais trop c'est trop. Mais toujours. Écoutez, c'est toujours pareil. Toujours si vous mangez que des endives, vous allez devenir une endive. Banana Kush. Tu n'es pas une vraie banane. Et tu es un humain dans une banane. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi. Dans la banane. Alors justement, dans le livre, vous racontez votre première cigarette, qui n'est pas une réussite, vous tombez dans les pommes, je crois. Votre première cuite qui finit en coma. Votre premier trip sous en fait, vous avez cru mourir. Bref, beaucoup de premières expériences. Et pourtant, bien que le cannabis soit omniprésent dans votre récit, un pétard par-ci avec les jazzmen, un pétard par-là, vous racontez pas votre première fois avec le cannabis. Est-ce que vous vous en souvenez ? Ah oui, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. Maintenant que vous mentionnez tous ces péchés que j'ai commis, je voudrais quand même signaler que je les ai commis une fois et jamais deux. Parce que j'ai un caractère qui est disposé naturellement à pas être gloutonne. Je suis pas gloutonne, je picore. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de finir la bouteille. Vous comprenez ? Alors la première fois que j'ai fumé un pétard, j'étais avec deux musiciens. Jimmy Gourlay, un guitariste, et James Cameron, un truc comme ça, je ne sais plus son nom. Deux aimables garçons. Hein, qui fumaient des pétards, qui n'étaient pas d'héros, qui n'étaient pas alcooliques, qui fumaient des pétards comme les gens qui fument des pétards tranquillement. Et ils m'ont fait fumer, j'avais, je crois, 16 ans. C'était la première fois et ils avaient les yeux un peu pétillants de me regarder. Ils m'ont fait fumer.
16 ans, c'est l'âge où vous avez commencé à vous émanciper un peu du cocon familial et à aller découvrir la vraie vie à Paris, la nuit, et à rencontrer ces jazzmen qui vous ont accompagné. Oui, j'ai commencé à m'émanciper très vite, moi, parce que j'avais une famille qui ne me surveillait pas. Ils étaient bien en peine de le faire, de toute façon. J'avais une famille très aimante, mais qui ne comprenait rien à ce que j'étais, qui ne m'a jamais posé de questions, qui ne m'a jamais rien appris, qui ne m'a jamais rien dit. Donc j'ai commencé assez tôt à fréquenter, j'étais surtout à Saint-Germain-des-Prés. Je fréquentais des musiciens de jazz, parce que cette vie et ces gens-là m'attiraient. Alors, dans les années 50, où vous commencez à fréquenter le Quartier Latin, c'est vraiment une des parties passionnantes hein, du récit de votre autobiographie. On croise tous les plus grands, Charlie Parker, Count Basie, et c'est notamment dans cette tranche de vie que vous passez fourré dans les caves avec les jazzmen qu'on retrouve le plus d'anecdotes qui concernent le cannabis, parce que c'est quelque chose qui circule énormément à l'époque dans ce milieu. Est-ce que vous accepteriez de lire un petit passage quand vous allez à Tijuana avec Chet Baker? Oui, je veux bien. Attendez, alors, nous partîmes en voiture pour Tijuana, de l'autre côté de la frontière mexicaine. Chet avait pris la précaution de cacher son herbe au bord de la route, sur le chemin, pour le reprendre au retour. À Tijuana, c'était le soir. Je fus déçue. Il y avait des néons et des bars partout. On était dans la rue principale. On a mangé des tacos et des tortillas. Au moins, ça, c'était bon. Et nous poussâmes jusqu'à Ensenada, dont je ne vis rien. C'était la nuit. Le Mexique me sera passé sous le nez. Et je n'aurai pas l'occasion d'y retourner. L'herbe mexicaine était très, très, très bonne. Chet l'a trouvé auprès de Manuel, un gentil garçon blond aux yeux bleus. Plus tard, j'ai eu l'occasion de reparler indirectement de Manuel, on le verra. Fumer de la marijuana était alors rigoureusement interdit aux États-Unis, mais à Los Angeles encore plus. C'était dangereux, on pouvait prendre 2 ans de prison pour un joint. Chet était connu de la police qui l'attendait au tournant, et il avait beaucoup d'amis, musiciens ou non, qui fumaient ou étaient accros à l'héroïne, très répandue dans ces années-là. Quand on vous lit, on a le sentiment, bah, dans cette période-là, les années 50, 60, d'une grande période de liberté, d'insouciance. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est révolu? Est-ce que notre société est plus puritaine aujourd'hui sur ces questions-là qu'elle ne l'était dans les années 50? Hélas, dans notre société aujourd'hui, le mot d'insouciance n'a plus cours. De la barbarie, il y en a toujours eu. Mais il n'y a pas toujours eu une menace sur la survie de l'humanité. Même quand il y avait de la barbarie, on ne se demandait pas est-ce que le monde allait s'arrêter. Le monde est devenu très inquiétant. Et pour moi, ça c'est personnel, il est très, très inquiétant. Parce que je vois Big Brother gros comme une maison. Je n'aime pas le fait que nous entrons. Je ne suis pas spécialement contente de vieillir ou de mourir, mais je suis contente de ne pas rentrer dans ce siècle, d'avoir un âge où j'ai vécu avant. Maintenant, je vais vous raconter un truc marrant, ça va vous amuser. Un jour où j'étais au Club Saint-Germain, et il pleuvait, pendant une pause, je suis sortie dans la rue Saint-Benoît. Nous avions un camarade qui jouait de la batterie correctement, mais qui avait une personnalité étonnante. Un manouche qu'on appelait Macaque. Il était grand et avec un air un petit peu dangereux et très drôle. Alors il faisait des choses comme ça. Alors, donc il pleuvait. À cette époque-là, les gens ne connaissaient pas comme aujourd'hui la fumette. C'était réservé un petit peu à des milieux. Voilà, c'était pas répandu du tout. Il allait demander du feu avec un joint à un flic au carrefour. Il s'est fait allumer le joint par le flic pendant que nous on regardait. Et pendant que le policier lui donnait du feu, il lui pissait sur les pieds. Elle est belle la police. Banana Kush. Camille Diao. Christophe Payet. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place qu'avait la fumette, le joint, dans ce milieu à l'époque, chez les jazzmen? Chez les jazzmen, on fumait. Comme on le raconte de célèbres bluesmen américains, les types qui fumaient étaient pacifiques, il n'y avait jamais d'histoire avec eux,
Les types qui buvaient du whisky, c'était l'enfer. La culture de la fumée, c'est une culture qui relie les gens. Mais il ne faut pas sacraliser. Enfin, moi, je n'aime sacraliser rien du tout. Je n'ai pas d'idole, j'ai pas de, il n'y a rien de sacré. Voilà, si demain je ne fume plus, ben je ne fume plus, je m'en fous. Donc dans le livre, vous racontez cette période où vous suivez Chet Baker pendant 2 ans à travers les États-Unis. Le cannabis a une vraie place dans ce milieu que vous nous racontez dans le livre à ce moment-là. Quels usages avaient ces jazzmen du pétard? Est-ce que c'était un usage récréatif, occasionnel? Est-ce que ça jouait un rôle dans le processus créatif? Non, je ne peux pas répondre à leur place. Je peux répondre qu'à la mienne. Les musiciens, par exemple, je ne vais pas le citer, mais j'avais un ami, un immense musicien. Enfin, j'en ai connu beaucoup, des grands musiciens. Il pouvait fumer pour jouer, ça ne le dérangeait pas du tout, il jouait divinement. Et puis, il y en a d'autres que ça dérange. Je sais que, par exemple, ça je vais le citer, parce que c'était un grand ami, Kenny Clark, a travaillé à un moment donné avec Louis Armstrong, et il avait fumé. Et pourtant, Kenny Clark, c'est pas quelqu'un qui joue à côté. Hein. Je ne sais pas s'il a joué à côté ou qu'est-ce qu'il a fait, mais à la fin de la soirée, Louis Armstrong lui a dit « after the gig, man, après le boulot. Hein. » On peut fumer, mais après le boulot. Ça dépend comment vous le tolérez. Moi, par exemple, si je fume, je vais devenir parano, je vais m'observer jouer, si je joue à côté, je vais m'en rendre compte immédiatement, ça va me déstabiliser. Moi, je ne fume jamais, jamais, jamais pour jouer parce que ça ne me réussit pas. Je travaille, je dois travailler, je suis là, je fais le boulot. Donc, je mets le travail en priorité. Et tout est subordonné. Le reste, ça vient par surcroît, évidemment, mais c'est subordonné. J'ai essayé de boire un verre avant d'entrer en scène au théâtre, ça ne va pas. Donc j'ai arrêté tout de suite. Et finalement, la meilleure façon de procéder, c'est d'y aller tout nu. Enfin pour moi, peut-être qu'il y a d'autres personnes à qui procèdent autrement. Ils ont une autre cuisine, ils ont une autre chimie. Moi, je suis comme ça. Banana Cash. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard? Eh bien, puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là. Banana, 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 nanana. Et alors là, on parle de travail, de créativité. On avait aussi envie de vous parler un petit peu d'amour ou de relations de couple. Là, on vous a fait lire un extrait où vous partez au Mexique avec Chet Baker, vous goûtez l'herbe mexicaine. Est-ce que le pétard avait un rôle entre vous au sein de votre couple? Est-ce que vous aviez des rituels à deux? Est-ce que vous aimiez partager un pétard avec vos amants, les différents amants que vous avez eus dans votre vie? Mais si j'ai un amant qui ne fume pas, je ne vais rien fumer avec lui du tout. Vous comprenez? Je ne suis pas snob, moi. Si j'ai un amant qui fume et que moi, je fume... On va peut-être partager, comme on partage une cigarette qu'on se passe. Oui, mais ce n'est pas, je dis, il ne faut pas sacraliser, il ne faut pas lui donner un rôle aussi important que ça. C'est un truc assez doux, ce n'est pas terrible pour les poumons, ça a des défauts. Moi, j'ai expliqué à ma petite fille, à ma fille en premier, à ma fille. Je lui ai dit que je ne me suis jamais cachée de fumer devant elle parce que je ne trouvais pas que ce fût quelque chose dont j'eus à me cacher. J'avais par ailleurs une vie... je n'avais rien à cacher. Donc je n'ai jamais donné d'explication. Mais quand elle est allée au lycée, je lui ai dit, tu sais, si on t'attend à la porte en te disant je veux te fumer un truc ou tu veux te prendre ci ou prendre ça, tu lui dis non merci, j'ai ce qu'il faut à la maison. Là-dessus, je lui ai expliqué tout ce que ça avait de mauvais et tout ce que ça avait d'intéressant. J'ai mis en regard les deux. Ben, j'ai une fille qui ne fume pas. Vous lui en avez parlé à quel âge? À quel âge je lui parlais de ça? Bon, je crois qu'elle avait 10-12 ans. Oui, donc très tôt finalement. 10-12 ans, oui. Oui. Mmh. Ça, c'est une question qui est souvent revenue dans d'anciens podcasts. On a consacré un podcast à la question de la parentalité et du cannabis. On a eu des réponses, les gens étaient divisés sur la question. Il y a une partie des parents qui souhaitent en parler ouvertement à leur enfant, qui pensent que ça fait partie aussi d'une forme d'éducation et de prévention. D'autres qui, même s'ils sont consommateurs, disent non, jamais, jamais. Ils font comme ils veulent. Ouais. Moi, ils font comme ils veulent. Moi, je parle. Je ne laisse rien dans le placard. Et puis surtout, l'excès en tout est un défaut.
Si vous fumez un pétard de temps en temps, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive ? Si vous fumez 4 pétards tous les jours au réveil, ça n'ira pas. Donc gynéco, il t'aime pas. Ce genre de choses-là, ça marche si vous le maîtrisez, si vous n'êtes pas marié avec. Si c'est pas le truc qui vous domine. Si c'est quelque chose qui est d'ordre du plaisir ou culturel. Ou je vous dis, écrire par exemple, moi j'aime écrire. Écrire en écoutant de la musique, mais c'est génial. Si je fume un vin, c'est génial. Mais je ne vais, pas fumer 25 joints dans la journée. Jamais. Il ne faut pas être goulu. Il faut toucher aux choses raisonnablement, dans la mesure où ça, où c'est adéquat. Adéquat, c'est un grand mot pour moi. Il faut être adéquat. Si vous dépassez la dose, si vous fumez quand il ne faut pas, si vous, tout ça, tout serait puni. Vous pouvez témoigner, on ne me voit pas, mais vous pouvez quand même dire que j'ai bonne mine, que je suis en forme pour l'âge que j'ai. Effectivement. Bon, c'est la meilleure preuve que je n'ai pas abusé. Comment vous expliquez que vous ayez un tel sens de la modération, finalement ? Je ne l'explique pas, je l'ai. Je l'ai toujours eu. Parce que vous avez, au cours de votre vie, croisé énormément de personnes qui n'avaient aucun sens de la modération. Aucun sens de la modération. Beaucoup d'excès, beaucoup d'excès sur votre parcours autour de vous. Oui. Ben, je ne sais pas comment fonctionne leur psychisme. Il y aurait beaucoup à expliquer sur chacun. Moi, je n'ai pas ça. Je ne suis pas goulue. Si on me donne quelque chose à fumer, je vais le goûter, puis je vais le mettre là, puis après je vais l'oublier. Puis je vais m'en rappeler plus tard. Mais je vais pas, ça ne va pas m'obséder, je ne vais pas me dire j'en ai encore, il faut que je le fume. Ça, c'est l'avidité qui est mauvaise. On a parlé de la relation, de l'explication que vous avez pu avoir pour votre fille. Vous êtes aussi grand-mère, alors est-ce que pour vos petits-enfants, mamie fume ? Ma petite fille, quand elle avait 14 ans, quand elle était dans un lycée près des Buttes-Chaumont, je lui disais, mais vous fumez des joints, Buttes-Chaumont, vous faites des trucs, vous buvez des coups, qu'est-ce que vous faites, raconte-moi. Alors elle me disait, non. Mais je ne l'ai pas trop cru. Oh, regardez mon nez. Qu'est-ce qu'il a, mon nez? Peut-être m'as-tu menti tout à l'heure, Pinocchio. C'est possible. Donc moi, je préfère parler des choses, dire les choses, parce que quand on les dit, on les démystifie, on ne les sacralise pas. Et il y a une manière de les dire, c'est une manière adéquate. Il faut être intelligent, il faut être adéquat avec ce genre de sujet. Il y a un temps pour tout, et il y a une façon aussi de dire les choses. On n'explique pas les choses à un enfant de 10 ans comme on l'explique à quelqu'un de 30 ans. Mais on ne peut pas passer à côté de la vérité, et il ne faut pas que les choses soient tues, enfin qu'il n'y ait pas de cadavres dans le placard. Alors maintenant que je n'ai pas, ma petite fille ne m'a pas dit qu'elle fumait, mais je me suis dit elle fume peut-être, donc je me suis dit maintenant je vais faire attention à ce que, au petit truc que j'ai à fumer dans le salon là, pour voir si elle y touche. Elle n'y touche pas, non, elle s'en fiche je crois. Je crois que si vous démystifiez les choses, vous leur enlevez leur mystère, vous leur enlevez leur attrait. Tout ça, en tout cas, témoigne, je pense, d'une certaine, voire d'une très grande liberté d'esprit. Et cette liberté d'esprit, c'était aussi, je pense, grâce à ça que vous avez pu vous afficher dans les années 50, 60, en tant que femme, à consommer, à fumer un joint. Comment c'était perçu à l'époque ? C'est quelque chose qui... À l'époque, c'était pas répandu. Vous comprenez ? C'était pas c'était pas répandu. Maintenant, c'est extrêmement répandu, c'est partout. Vous comprenez, dans le moindre coin de province, ou ailleurs, je sais pas, c'est partout. C'est pas, c'était quelque chose de plus, d'un peu privé, Moi, je ne me cache ni ne m'affiche. Vous comprenez? Je ne me cache pas, mais je ne m'affiche pas non plus. J'aime pas provoquer, j'aime pas installer, j'aime pas afficher pour mener avec un écriteau, voilà ce que je suis, voilà ce que je pense, voilà ce que je dis. Non, j'aime bien... Je m'applique, parce qu'il faut s'appliquer quand même, à être le plus possible moi-même. Toi, je sais pas comment tu t'appelles. Et je veux pas le savoir, tout ce que je sais. C'est que t'es comme les autres, un pauvre mec, complètement à côté de tes pompes. Ça se voit dans tes yeux. Et puis, les gens qui se prétendent heureux, moi j'y crois pas des masses. Dès que j'entends le mot bonheur, je tique.
Qu'est-ce que t'en sais si t'es heureux? Nick, la radio présente Banana Cash, le podcast des cultures du cannabis. Est-ce que j'ai le droit de vous demander quel âge vous avez aujourd'hui? Ben oui, vous pouvez. Alors, quel âge avez-vous, Liane Revers? La vérité sur mon âge. De toute façon, maintenant, tout le monde la connaît, puisque je ne la cache pas. Avant, je cachais un petit peu mon âge, mais maintenant, on ne peut plus. Avec Internet, c'est terminé. Comme pendant 13 ans, beaucoup d'années, je faisais beaucoup moins que mon âge, j'avais l'habitude de cacher mon âge dans le métier, parce que ça brouillait. Ça brouillait les engagements qu'on pouvait me proposer. Parce que j'avais l'air d'avoir 30 ans, et j'en avais 45. Ah, elle a 45 ans. Ah, elle a 30 ans. Vous êtes trop jeune, vous êtes trop vieille pour le rôle. Donc, je ne le disais pas. Maintenant, je suis au-delà, je suis tranquille. J'ai atteint des zones où on ne peut plus rien cacher. De toute façon, on ne peut pas, même si on veut. Donc, pour résumer, je vais avoir 87 ans le 30 janvier qui arrive. Moi, je vous dis ça avec fierté parce que je suis la preuve vivante que je n'ai abusé de rien. Ce n'est pas des salades que je raconte. Et en plus, à 87 ans, vous dites que vous n'avez jamais autant travaillé, finalement. Non, c'est vrai que je n'ai jamais autant travaillé. Ben, ça, c'est grâce à 10%, à Antoine Garceau, et à Cédric Lapiche, à Monique Besnéard et à mes copains de 10%. J'ai énormément de tendresse pour Arlette. Déjà pour l'actrice, que j'aime énormément, comme personne et comme actrice. Et pour le personnage. C'est une mémoire, c'est quelqu'un qui est à la fois une grand-mère, au sens, encore une fois, un peu chamanique, comme ça, qui veille sur la mémoire de la boîte, sur la mémoire du cinéma. Et puis, il y a une grande liberté chez Arlette. On fait ce qu'elle veut. Rien à foutre de rien. Ça, j'adore. Alors, je vous pose la question de votre âge parce qu'on a fait un autre podcast il y a quelques mois sur les vieux. Qui consomment ou qui ont consommé ou qui aujourd'hui utilisent en fait le cannabis pour régler les petits soucis de l'âge, les insomnies, l'anxiété. Écoutez, tout ça est très personnel. Tout ça, ça dépend de comment votre psychisme, votre corps, votre expérience, votre nature, votre background, tout ça, comment ça réfléchit. Moi, je n'ai pas besoin de fumer pour adoucir mes douleurs, parce que je ne crois pas que ça adoucisse mes douleurs. En tout cas, je n'ai pas remarqué. Puis, je ne fume pas assez pour ça. Écoutez, j'ai quand même une expérience. Je vais vous raconter une anecdote qui va beaucoup vous plaire. J'avais un cousin. J'ai dit, j'avais, il est mort. Il avait un cancer de l'estomac. Et il n'arrivait pas à garder ce qu'il mangeait. Pourquoi est-ce qu'il m'a demandé ça? Peut-être que, je ne sais pas pourquoi il m'a demandé ça. Il m'a demandé de le faire fumer. Peut-être qu'il savait ou que j'avais dit, j'en sais rien. Je lui ai roulé un joint, il a bouffé une brioche entière et il ne l'a pas rendue. Donc ça peut donner de l'appétit, ça peut vous conduire aussi à manger trop. C'est à vous de trouver où vous êtes. Comment vous faites pour fumer quelque chose de qualité, pour avoir de l'herbe naturelle? Enfin, est-ce que vous... Oh ben je fais rien du tout, moi j'ai des copains qui se débrouillent pour moi. Moi j'ai des copains qui se débrouillent pour moi, si je veux quelque chose, je veux dire j'ai rien à fumer, t'as pas quelque chose, et on s'occupe de moi. Je trafique pas, je cherche pas, je vais pas dans les rues chercher un machin. Vous avez pas un champ caché dans votre... Non. Bon, ça nous amène du coup au dernier sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est Family Business, la série sur Netflix qui est en plein dans notre sujet. Comment vous êtes retrouvés dans cette aventure-là? Comment ça s'est passé? On rappelle peut-être juste en deux mots que donc, l'histoire de Family Business, c'est l'histoire d'une famille qui se met à cultiver, à trafiquer du cannabis pour sauver sa boucherie cachère. Et vous jouez le rôle de Ludmila, la grand-mère de la famille, la matriarche, qui va un peu aussi tirer les ficelles de tout ce petit trafic. Ça vous a fait marrer? Oui, parce qu'elle a la main verte. C'est elle qui a la recette de la weed. Elle a la main verte. Bon, Ali, puisque t'es là, je te présente la pastra weed. C'est bien, cette pastra weed. Et puis, elle est un peu comme moi quand même. Je lui ai... Quand c'est utile, mais ça ne l'est pas toujours, il y a des rôles vers lesquels il faut aller, il faut aller chercher. D'autres, il faut tirer à soi, il faut se servir de soi parce que c'est adéquat, parce que c'est ce que vous avez de mieux à faire. Ben pour 10%, où je ne ressemble pas du tout à la dame que je personnifie, et pour Family Business, je vais chercher chez moi, dans ma cuisine à moi. Parce que ça s'y prête, parce que c'est peut-être ce que j'ai à faire de mieux. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre vous et Ludmila alors?
Ben, écoutez, je crois que Ludmila, je sais pas, je voudrais vous pousser à parler de moi là. Je sens que je vais tomber dans le panneau. Ludmila, elle a pas d'âge au niveau du caractère, et moi non plus. Moi, je fais pas de jeunisme, mais je n'ai pas un caractère vieux, sclérosé, acquis une fois pour toutes. Je suis, je suis tombée dans le panneau. En tout cas, prête pour l'aventure, Ludmila comme vous. Toujours. Oui. Oui, oui, mais avec, avec raison et prudence, attention. Hein. On a retenu la leçon. Attention, pas n'importe quoi, faut pas être bête. Hein. Il faut oser, mais il faut oser à bon escient. Au final, vous êtes à la fois, et on le retrouve dans votre livre, toujours très authentique, toujours très vous-même, et en même temps d'une espèce de souplesse infinie qui fait que vous êtes capable de vous adapter à peu près partout, vous êtes capable de suivre quelqu'un sans vraiment vous poser de questions, et vous restez ouverte en permanence aux possibilités, aux opportunités. Oui, c'est vrai que je suis intuitive, instinctive. Je suis aussi raisonnable parce que je suis quand même pas née de la dernière pluie. Maintenant, ça fait longtemps que je navigue. Donc, j'aime beaucoup faire confiance. Je ne fais pas confiance aveuglément. Je fais confiance en premier. Et si vous me découragez, je vais me décourager. Est-ce que Liliane Rovert a la main verte ou j'ai... Non. Non, pas du tout. Non. Enfin, si, j'ai des plantes dans la maison. Parce que j'aime bien avoir un peu de verdure à la maison. Puis je me dis que ça m'oxygène un peu et je les soigne du mieux que je peux. Mais je ne suis pas extraordinaire, non. Je n'ai pas spécialement la main verte. Je n'ai jamais su bien rouler un joint. Je roule toujours de travers. Il y a des choses que je sais faire mieux que ça. Si je vous fais une soupe, elle va être bonne. Et alors, est-ce que vous arrêterez un jour ? De fumer ? Oui. Mais si mes poumons l'exigent, oui. Ouais. Oh oui, absolument. Vous savez, j'ai un ratio, le risque-bénéfice. Si le ratio est du côté du risque ou du bénéfice, je vais de ce côté-là. Si je ne devais plus fumer du tout, j'en pleurerais. Je ne vais pas me rouler par terre, je ne pleurerais pas, je le garantis. Mais pas du tout. Ça peut m'arriver demain matin. Je ne veux pas être mariée. Je ne veux pas que les choses soient, que ce soit les choses qui me conduisent. Il faut que ce soit moi qui les conduise, à ma guise. Avec mes rênes, c'est moi qui conduis. Si je dis stop, on arrête. Je n'en ferai pas une affaire. Du tout. Ben merci beaucoup, Liliane Rovert. Je vous en prie. Merci beaucoup. On a une petite tradition à la fin de ce podcast. Si vous êtes d'accord, ça s'appelle la banane de fin. La quoi ? La banane de fin. La banane des fins. On vous explique tout. Vous avez entendu comme il faut ? On vous explique tout après le générique. Oui. À tout de suite. D'où viennent les centaines de milliers de tonnes de bananes que nous retrouvons été comme hiver sur nos étals. Ring, 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 banana phone. Et si Lily n'a jamais vraiment su rouler ses joints, elle nous a confié hors micro que Chet, lui, savait diablement bien rouler. Au moins aussi bien qu'il jouait de la trompette. C'était l'épisode 18 du Banana Cush Quartet. Liliane Rovert à la trompette. Christophe à la batterie. Camille au sax ténor. Et Charlène Nouilloux à la guitare. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau gig. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aimez-nous et criez-le jusque dans les moindres recoins de l'Internet. On vous embrasse et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Voici venu l'heure de la banane de fin dans cette émission. C'est une tradition, Liliane Rovert. On vous propose de partager un moment avec nous et de choisir entre une banane jaune ou une banane verte. Ah, vous me posez un peu un problème là. Parce que je mangerai la banane, me plaît, elle a une tête qui me plaît beaucoup. Et le joint, je le remettrai bien de côté pour un jour futur. Donc, je ne sais pas que vous dire. Je peux prendre les deux ? Vous pouvez vous prendre les deux. Et en plus, c'est un cadeau. Joint qui est roulé avec du tabac. Donc moi, je fume maintenant sans tabac et sans papier. Oui, dans une petite pipe. Ah. Comme ça, je ne bouffe pas le papier, qui est pire que le tabac. Mais donc, elle n'est pas super, cette banane qu'on vient de vous ramener. Si, c'est très bien. Je vais la partager avec des copains qui seraient très contents de... Si. On vous la laisse, et alors promettez-nous que vous l'allumerez en bonne compagnie et dans un moment adéquat.
Je vous le promets. Je vous le promets. D'abord, j'évite les mauvaises compagnies. Et puis, pour l'adéquation, je fais des efforts. Alors, j'ai les Alors, deux. C'est cadeau. On vous laisse les deux bananes. Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr. The smoke builds a stairway for you to descend. You come to my arms, may this bliss never end. Awake or asleep, every memory I'll keep when I'm deep in a dream of you.